So uh, just behind you, you have a commemorative uh, monument uh, to commemorate uh, the day when the Americans uh, arrived on the, the beach to save the uh, French people. So now I need a, um, I need a... Uh, Bernard, comment tu dis uh, pour boire en anglais? Hello les mordus, c'est Vlad, le Vampire Mémoriel. 1300 ans et la maîtrise de dizaines de milliers de langues étrangères, anglais, allemand, mandarin, patois normand. Parmi les joyaux du patrimoine que je prends plaisir à vous faire découvrir dans notre show, il y en a certains qui ont une saveur particulière pour moi. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir ma lady de Trévière, à portée d'obus d'Omaha Beach. Comme vous allez le voir, notre sujet du jour a une double couche d'intérêt mémoriel. C'est un petit peu l'équivalent d'un supplément cheese sur une pizza. Ce monument aux morts, situé près de l'église du village et commémorant les soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale, représente une femme drapée dans une longue robe et portant un casque adrien, les casques portaient les Français en 1418. Il est l'œuvre du sculpteur Edmond Le Toile de la Heudry, Enfant de la commune, né en 1861 et ancien maire, et c'est le 16 mai 1921 qu'il a été inauguré. Jusqu'ici, me direz-vous, rien de particulier. Eh bien, des Bernard Tu m'écoutes pas. Ne nie pas, c'est toujours la même chose. Je te connais par cœur. Je vous l'ai déjà expliqué dans un épisode précédent, un vilain panarie au pied droit m'avait empêché de participer au débarquement, le 6 juin 44, le D-Day. J'ai néanmoins suivi les événements minute par minute. Un obus tiré depuis Omaha Beach a emporté une partie du visage de la statue, lui faisant une gueule cassée bien malgré elle. La commune de Trévière a fait le choix de ne pas faire réparer cette statue en souvenir des combats de 1944. Ce qui ne m'a pas empêché de venir ici très régulièrement depuis et de me nourrir de ce condensé de mémoire des deux guerres. Et évidemment, lors du 50e anniversaire du débarquement, en 1994, j'étais aux Premières Loges. Alors, comme moi, de nombreux vétérans américains sont tombés sous le charme de cette statue. Mais lorsque j'ai appris qu'ils avaient sollicité la commune pour leur acheter, mon sang de vampire n'a fait qu'un tour. Nos amis américains allaient me priver de cette pièce maîtresse de mon garde-manger patrimonial Il en était hors de question. La statue a finalement été déboulonnée pour être copiée, un travail financé par le département du Calvados et par Guy Wildenstein, un généreux mécène franco-américain. Quant à moi, j'en ai profité pour me faire ma petite copie privée. La copie américaine a été inaugurée en grande pompe le 23 octobre 2002 par le président des États-Unis, George W. Bush himself, à l'entrée du National D-Day Memorial de Bedford, en Virginie. La statue a été baptisée The Lady of Trivier. Elle symbolise la souffrance des poilus ainsi que celle des dièges du débarquement. Et depuis lors, elle trône au regard de tous et toutes pour mon bon plaisir et le vôtre. Oups. Excusez-moi. Oh. Hey, Joe, how are you? Yeah, Saturday? Oh, wait a minute. Bernard, c'est Joe Biden. Il demande s'il peut venir dîner samedi. C'est bon? Hey, je t'invite, je vais faire une enquête de vous. Super, yeah. Joe, oh, Bernard will be there. Yeah, oh, such a pleasure to hear you.